Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors donc on avait laissé Isaac hier dans une mauvaise posture. Enfin, il venait de se sortir d'une mauvaise posture et on l'avait laissé à la porte. Donc aujourd'hui on va poursuivre notre aventure. Alors là on va utiliser le point de force qu'on avait mis de côté, en espérant récupérer du matos intéressant parce que ça nous faisait cruellement défaut. Bon bah là c'est pas mal. A priori il y a l'air d'y avoir pas mal de trucs. Ouais. Bah oui, ça valait le coup là. 5000, plus 3000 là, plus 1700 dans le placard. Sympathique, sympathique, bonne opération. Et un petit peu de munitions, ça ferait pas de mal. Voilà, bah tiens. Et ben voilà, tout s'arrange. On va passer une meilleure journée qu'hier. Ouais, puis il y a de la place dans l'inventaire, c'est bon. Alors, donc pour mémoire, on doit toujours empêcher des astéroïdes de s'écraser sur notre vaisseau. Et pour ça, on devait rétablir le système de défense de l'Ishimura. Alors là, a priori, on a l'air d'être tranquille. Ah, il y a du bruit. Il doit y avoir quelque chose au fond. Ouais, je vois pas. Il doit pas être loin de toute façon. Ouais, voilà, là, il est là, il est là, il est là. Ah, c'est espèce de saloperie là, avec des tentacules. Alors, donne-moi mes liquides, toi. Hop là, le là. Allez hop, voilà. Ça devrait bien se passer. Et hop, voilà. C'est bon. On a fait le plus gros normalement hier, je pense. Donc là, ça devrait plus être une formalité. Enfin, on espère. Alors voilà, c'est activé. Système de défense prêt pour utilisation. Parfait, ça devrait suffire. Mais la vidée automatique du canon est foutue. Je pense que c'est juste un problème de câble. Manœuvrez le canon pendant que j'essaie de réajuster ça. Prenez l'ascenseur jusqu'au sommet du vaisseau, puis accédez au canon. Alors, a priori, on va jouer astéroïde. Parce qu'on devrait. On devrait aller directement manœuvrer le canon nous-mêmes. Oh, il y a du monde qui arrive. Ah merde, 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 non, pas celui-là, là, pas celui-là, là, pas celui-là. Non, ça c'est de la saloperie. Allez, crève tout de suite. Allez, allez, putain, il y en a un autre. Ah non, ils vont pas vouloir me laisser y aller tranquille. Voilà, ça c'est fait. Putain, oh, putain, faut que je fasse gaffe aux troupes là. Ah oh, putain, je peux pas marcher sur les dalles, les. Allez, 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 suis-moi. Ah putain, j'ai plus de vie là, Faut que je me recharge ma vie après là. Je vais finir avec lui d'abord. Espèce de raie à la con là qui suit, je croyais l'avoir fini. Hop. Ça y est, c'est bon. Elle est passée sur la dalle. Hop. Et lui, c'est bon. Finalement, il est aspiré. Donc voilà. On a eu chaud. On a eu chaud. Ça bouge plus. Un truc pour le trancheur. Il manquerait plus que maintenant il y a un super gros qui vienne foutre la merde. Non, je pense pas qu'ils aient été jusque là quand même. C'est bizarre le truc là qu'ils ont. Les déformations, comment elle appelle ça qu'elle m'a. J'arrive pas bien à voir ce que c'est en fait. On dirait de l'eau, mais ça peut pas être ça. De mémoire. Ok. Donc là, on doit plus être loin. On va faire une sauvegarde, comme d'habitude. Voilà.
ça va, il reste une grosse bouteille de vie. Niveau 2 normalement. Parce que là on va aller faire un tour au stock vite fait. Puis après ça sera niveau 3 pour le canon j'imagine. Vous me direz si un let's play de Dead Space 2 ça vous intéresse ou pas. Parce que le 2 est moins bien que le premier, mais il est pas trop mal encore. Le 3 c'est clairement plus. C'est plus du tout un survival horror. Hein. C'est carrément un TPS d'action. Donc là on va prendre les schémas. Et on va prendre. Ça on va le vendre, le semi-conducteur. C'est bon, on a pas mal de blé. On va pouvoir se refaire une santé. On va reprendre. Ils sont où les packs de... Non, ça c'est quoi? C'est l'amplificateur télékinésique. Ok. Cire industriel, ouais, ça m'intéresse pas plus que ça. Le projecteur d'énergie, ouais, ça faudrait qu'on voit ça. Point de force, on en prendra un. Prendre de la vie, quitte son moyen, et puis on va prendre un petit et des munitions, énergie plasma, on va prendre le max et puis on va garder 10 000 pour le point de force. Voilà, ouais, s'il faut le prendre. Faut le prendre parce que si on a un manque de munitions, on pourra se rabattre sur une réserve entre guillemets qui sera accessible qu'avec ça. Enfin, s'il y en a une, un endroit où on a besoin, quoi, bien sûr. Et en général, c'est pas trop mal fait. Ils sont au bon endroit au bon moment. Voilà, ça c'est bon. On va peut-être pas remplir les jauges tout de suite parce que de toute façon. Là on en a suffisamment et puis on va essayer de l'économiser au max. Ouais. Il va falloir faire du rationnement drastique. Allez. On va aller à la chasse à l'astéroïde. Pardon, excusez-moi, j'ai bu un café. J'espère que vous êtes bien installés vous aussi de l'autre côté, hein, que vous avez tout ce qu'il faut. Allez. Bon là normalement, on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises parce qu'on avait fait le ménage déjà. Donc voilà, on va re-sauvegarder. C'est un espèce de rituel en fait. Le fait de sauvegarder, ça me rassure, je me dis que je suis invincible, entre guillemets. Non, je déconne. Non, non, mais c'est vrai que dans tous les jeux, dès qu'il y a un endroit pour sauvegarder, je sauvegarde tout le temps. Alors, des fois, j'ai des piles de sauvegarde, souvent, ils ne me servent pas grand-chose, mais des fois, c'est bien utile. Et aujourd'hui, maintenant, il y a les sauvegardes, les points de sauvegarde automatiques. Je trouve que c'est un peu moins fun qu'avant, mais bon, quand c'est bien fait, ça va, hein, quand ils sont au bon endroit. Ça va. Mais bon, du coup, en tant que joueur, on a de moins en moins de choses à faire. Quoi. Donc, le jeu s'occupe de tout, il sauvegarde. Bientôt, ils vont choisir les équipements pour toi. Enfin. Alors. Excusez-moi, vous entendez mon briquet, mais je vais me dérouler encore une fois et s'éteigne tout le temps. Isaac, vous allez devoir passer par l'extérieur pour rejoindre le canon de défense.
Le problème, c'est que les astéroïdes ne vont pas s'arrêter. Avancez à couvert ou elles vous tueront. Parce que comme je laisse la plupart du temps, je tire une taf et je les laisse encendrier, bah s'éteint toute seule. Enfin ça c'est mon problème à la limite. Et je rappelle que fumer c'est mal. Ah ouais, je m'en rappelle de ça, c'était énorme. En fait, faut se planquer derrière ces trucs là. Et faut attendre, voilà c'est ça. Là, dès qu'il est pété, donc ah putain merde, il y a un connard là. Ah oui, il va venir foutre la merde. Ouais, en fait, faut attendre qu'il y ait un truc qui percute l'abri, là, et une fois que ça a été percuté, normalement, on peut avancer. Là, j'en avais chié la première fois, là, on va essayer de faire ça tranquille. Faut pas se presser, en fait. Moi, la première fois, je voulais arriver au bout. Ah, merde! Ah non, toi, c'est pas le quart d'heure. Allez, dégage. Casse-toi, putain, prends un truc sur la gueule, je sais pas. Allez, normalement, on doit avoir le temps. Il y a un timing aussi à respecter. Je crois qu'on doit pouvoir se déplacer de deux abris en deux abris, mais je suis pas sûr. On va pas prendre de risques. Allez, hop. Allez, on tente. Hop. C'est bon. On va prendre de l'oxygène. On a bien fait d'en garder un peu. Allez, hop. On va pas se mouiller là. On va... Ça serait con de prendre un astéroïde maintenant, quoi. Voilà. Et normalement là on doit pouvoir faire ça. Allez, on fait en une traite. Voilà si ça doit passer normalement. Allez. Voilà, normalement on craint plus rien. Là. On est à l'abri. Voilà. Déjà récupéré ce qui se promène. Ah ça c'est ça vaut plus d'argent que les. Normalement je crois que c'est super rare ceux-là. Allez, voilà ce que je disais. Petite sauvegarde. Voilà. Alors là, de mémoire, je crois que c'était. C'est chiant parce qu'il faut pas atteindre. Voilà, c'est la résistance de la coque qu'on voit là à droite. Et il y a, je sais plus, il y a un niveau quand c'est pas zéro, c'est bien avant en fait. Hein, quand on arrive à je sais plus combien, la coque, le vaisseau est détruit. Alors, c'est sympa, on se croirait dans Star Wars. C'est cool. Ça va, ça se joue bien. Bon, ils vont accélérer les trucs de mémoire, il va falloir faire gaffe. Ah, il y en a encore un qui est passé, merde, le plus gros d'abord. Allez, puis le gros il fait des petits. Merde, ça s'est loupé. Je sais pas combien de temps ça dure, il me semble que c'est un petit peu long. Enfin, en tout cas, on trouve ça long quand on est en train de le faire. Et en fait, là, tout se joue avec Hammond, parce que c'est lui, en fait, qui va mettre fin à notre exercice dès qu'il aura réussi à enclencher le système de visée automatique. Putain, ça commence. Je vais pas tenir super longtemps encore. Parce que ça va de plus en plus vite. Oh, putain. Ah les enfoirés. Ouais bah dépêche-toi, mène-toi bonhomme, mène-toi, on a besoin là. Allez. Oh putain, il y a un gros, il va se scinder, voilà, ça y est, putain. J'ai eu. Oh putain, ça y est, la vitre elle commence à. Alors là on est mal. C'est ce que vous avez compris, hein, si la vitre elle pète, on meurt. Alors, allez, dégage. Putain. Allez grouille, allume-le le truc toi. 46%. Ah c'est bon. On est tranquille. Eh ben.
Mais c'est sympa à faire, c'est sympa. C'est un peu long, mais c'est sympa. Allez. Oui, il était bien fait ce fameux. Je trouve qu'il y avait vraiment des trucs sympas dans ce jeu. Alors là, normalement, on peut repartir tranquille, puisque l'astéroïde, on a pu aller craindre. Donc voilà. On va oh putain! Ouais, bah non, on va dégager. Économisons des munitions, c'est pas la peine de. On est déjà limité en ressources, ça sert à rien de se les. Tout ce qu'on va pouvoir esquiver, on va l'esquiver. Hop, voilà, on va les retarder quand même. Après, je sais pas si chez vous. Bon, en même temps, je parle dessus, donc c'est pas évident. Mais l'ambiance sonore quand on est comme ça en extérieur, elle est assez géniale, je trouve. Sortie zone sans gravité. Voilà. Donc bah là, normalement, on a fait notre taf, on ne veut pas être loin de la fin, je pense. Parce que on devait. Isaac, Hammond, j'ai une mauvaise nouvelle. L'oxygène baisse dangereusement. Quelque chose infecte l'air produit pour les cultures hors sol et quoi que ce soit, c'est en train d'envahir le pont de cette saleté. D'accord. À ce rythme-là, on va bientôt manquer d'air. Mais si je comprends bien ces analyses biologiques, je pense pouvoir fabriquer un poison pour la détruire. Allez à l'infirmerie, il y aura tout ce qu'il faut. Il manquait plus. Bah ouais. Isaac. Allez à l'infirmerie et faites tout ce que vous pouvez avec Kendra. Je vais à la salle des cultures. Si je peux la ralentir, ça nous laissera un peu plus de temps pour combattre. C'est pas faux. Bon, bah voilà, donc on a résolu un problème, et forcément, hein, c'est le but du jeu, hein, y en a un autre qui surgit, donc là, c'est l'oxygène qui va nous faire défaut. Et sans oxygène, bah, on est mal barré, forcément. Non, et puis je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'à chaque fois que les problèmes qui nous foutent dans les pattes tiennent bien la route. Et pour l'immersion aussi, c'est bien. Voilà. Ah non, 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 ça c'est nouveau, c'est de la vermine ça. Ça, c'est de la vermine. Oh putain, il y en a encore. Ah non, dégage. Dégage, dégage, dégage. C'est un peu comme les petites saloperies là qui infectent les cadavres, ces trucs là. C'est un petit peu plus vif. Hein. Allez! C'est bon, ils sont raides. Ils ne donnent rien dans ce. Ah, ils sont trop petits, ils ont rien sur eux. D'autres. Allez. Donc là, ça doit être direction tramway, je pense. Alors, je vous réserve la surprise, mais je vais sûrement, comme il en faut pour tous les goûts, entamer un autre let's play aussi. Je vous réserve la surprise d'ici quelques jours. Ça change rien pour Dead Space, hein, de toute façon il sera là tous les soirs comme prévu. Sauf que, au lieu d'en avoir un seul, normalement, si tout va bien, si j'arrive à me débloquer du temps, ben, il y en aura deux. Et plus les autres vidéos qui je mets aussi régulièrement. En ce moment, c'est beaucoup du Trial Fusion parce que c'est d'actualité. Le jeu va sortir très prochainement. Voilà. Donc on va faire un tour au stock aussi. Parce qu'on avait récupéré un gros semi-conducteur. Là. Normalement, il voilà 10 000 celui-là. C'est bien sympathique. Ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout ça, garde. Les balles d'assaut, on commence à en manquer un peu. D'habitude, c'est ce qu'on a le plus.
Et dans le trancheur, ouais, si, on a quand même pas mal. Parce qu'en fait, c'est pas les balles, c'est les chargeurs, si j'ai pas de conneries. Alors, point de force, on va prendre, hein, ça c'est obligatoire. Si on veut évoluer le plus vite possible, il nous en faut beaucoup. De toute façon, avant de voir la combinaison 4 arriver, je pense qu'on a un peu de temps, donc on va pouvoir. On n'a pas besoin d'économiser les sous tout de suite. Voilà, c'est ça, c'est direction la sortie. En espérant que. Merde. Ok, ça c'est rien. Ça va s'arranger tout seul. Voilà. Hop. Ah merde, il y en a un derrière là, non? Il y en a un derrière. Ouais, ouais, ok. Bouge pas. Merde, putain, il crache de la merde celui-là, j'aime pas ça. Ça fait mal en plus. Mais. Il a plus de tête, il voit plus rien. Ça c'est bon. Non, je pensais à l'espèce de gros truc là qu'on avait eu au début, vous vous souvenez, qui était sorti par la vitre là. Il n'y a plus rien là. Alors... Non, on va pas gaspiller ça pour si peu qu'il nous ait égratigné. Ah ouais, j'avais peur que le truc il surgisse là, mais il peut encore le faire. Faire attention. Voilà. Juste pour le plaisir. Non, ça va prendre trop vite. C'était juste à l'aller qu'il nous a. Il nous a fait peur. Station de tramway, ouais, c'est pas ça. Bon, et eh bien, on arrive donc à la fin de cet épisode 4. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, donc, bah, likez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis, partagez. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à demain.